Bonjour à tous, mes chers voisins, mes chers amis. Voilà, donc on va commencer une nouvelle rubrique, cette fois-ci en audio, puisque ce sera beaucoup plus simple et on ne sera pas tellement limité par le temps. Alors, comme on l'avait promis, donc on va essayer de faire un commentaire sur le texte de la Megillah d'Esther, et ceci d'ici donc jusqu'à la fête de Purim. Alors, je me suis basé sur un ouvrage qui s'appelle le Me'amloez. Donc Me'amloez, donc un ouvrage, vraiment une œuvre colossale faite par Rabbi Yaakov Kouli en judéo-espagnol. Donc lui n'a pas eu le temps de terminer le commentaire de toute la Bible, et ce seront d'autres Chachamim qui vont se succéder, par exemple Rabbi Yitzhak Behar Argueti pour certains, il y a aussi Yitzhak Ben Moshe Magrisso qui a terminé le livre de Shemot, par exemple. Donc, et tout cet ouvrage va être rédigé entre 1730, puisque Rabbi Yaakov Kouli disparaîtra en 1732, et jusqu'en 1897. L'auteur du commentaire du livre d'Esther s'appelle Raphaël Chia Montremoli, pardon, et il a été publié en Smyrne en l'an 1864. On ne sait pas grand-chose de cet auteur, si ce n'est que apparemment il provient d'un milieu plutôt aisé, il avait beaucoup de connaissances en médecine. Alors, pour commencer déjà, on va dire, dans le vif du sujet, on nous présente au début de la Megillah, on nous présente le personnage clé qui est le roi, qui s'appelle Assuérus Achashverosh, et ces événements se situent en l'an 3392, donc de la création, qui correspondent à peu près à 368 avant l'ère commune, moins 368. Et là, on nous dit que nous sommes pratiquement à la fin des 70 ans décrétés par Akadosh Baroukh Hou comme le premier exil, celui de Babel, de Babylonie, et on ne sait pas donc d'où vient Achashverosh. Alors, pour la petite histoire, et c'est ce que va faire cet ouvrage magnifique de Merbloès, donc on nous dit d'où il est venu, et on nous parle d'un roi perse qui se nommait Astargès, qui n'a pas eu de fils, mais il avait une fille unique qu'il adorait, et c'est normalement elle qui devait hériter. Alors elle a été séduite par un officier, elle est tombée enceinte. Lorsque le roi l'a appris, il a fait exécuter cet officier, il a jeté sa fille en prison. Et lorsque elle a accouché d'un petit garçon, il a été abandonné dans la montagne pour qu'il meure de faim. Et là, on nous dit que ce sont des chiennes. Une chienne en particulier, qui a nourri ce bébé, qui va grandir, et par la suite, il va former une armée. Cet homme s'appellera Koresh, Cyrus, le premier Cyrus, et comme c'est rapporté dans Maseret Rosh Hashanah 3b, son nom est l'anagramme de Kacher. Quoi qu'il en soit, ce Koresh va grandir, et le roi de Médie, de Madaï, qui se nommait Dariush, Dariavesh en hébreu, il a été émerveillé par le destin de ce Cyrus, et il lui a dit qu'il le voulait comme gendre. Donc il va épouser la fille de Darius, et à la fin, donc c'est Cyrus qui va hériter de ce royaume à la mort de son beau-père. Alors, lorsque on parle de Achashverosh, donc c'est le fils de Cyrus avec la fille de Darius. Dans une première tentative donc d'aller contre le roi de Babylonie, qui s'appelait à l'époque Beltachar, donc qui était le descendant de Nabuchodonosor, celui qui avait détruit le temple, et dans une première tentative, ils vont perdre. C'est Balthazar qui va gagner et il va faire une fête. Et cette fête est décrite dans le livre de Daniel où il a vu une main en face d'un candélabre écrire Mene Mene Tekel Upharsin, compter, compter, peser et division. Et c'est Daniel qui va donner cette interprétation. Donc il lui a révélé que cette même nuit, le royaume sera divisé et que ce seront Darius et son gendre Cyrus qui vont s'emparer de son royaume. Et pourquoi? Parce qu'il avait utilisé les kélim du Beth Hamikdash. Alors, comme il était tellement terrifié, il a interdit qu'à quiconque de rentrer ou de sortir sous peine de lui couper la tête. Il a été pris de convulsions, donc il a dû sortir lui-même. Lorsqu'il a voulu rentrer, il a dit, mais je suis le roi. Et le
L'officier, croyant bien faire, a coupé la tête à celui qui ignorait qu'il s'agissait du roi. Et c'est comme ça que Darius et Cyrus vont rentrer dans le palais, vont succéder donc au roi Balthazar de Babylonie, et ils vont décimer tous les descendants de Balthazar, à l'exception d'une petite fille qui à l'époque dormait. Elle avait 12 ans, et lorsque elle est venue devant le trône, elle pensait que c'était son père, et elle a découvert qu'il s'agissait ici de Cyrus. Et c'est comme ça donc que Cyrus va donner cette fille à son fils, Assuérus. Et Assuérus va attendre qu'elle ait 18 ans, puisqu'elle n'avait que 12 ans. Et voilà comment donc est né Achashverosh, et comment Achashverosh, Assuérus, a épousé Vashti. Alors, simplement pour terminer aujourd'hui, donc normalement, en français, on dit Artaxérès, c'est un titre comme le pharaon pour les rois d'Égypte. Et pourquoi il a eu ce nom de Achashverosh? Alors, d'après différentes formules, c'est le notaricon, donc c'est un jeu de mots, on va dire, parce que Chash, Roche, mal de tête, c'est celui qui, parce qu'il était extrêmement, extrêmement cruel, on dit que c'est Shechor, Esh, donc noirci par le feu, comme les visages des Juifs qui ont été noircis par tous les décrets. Il a imposé des impôts extrêmement lourds et on dit que les Juifs étaient très pauvres à l'époque. C'est la raison pour laquelle ils se sont précipités, je disais donc, sur le festin. Et dernière explication, on dit que c'est Achashverosh, Achiv Shel Rosh, c'est-à-dire le frère de celui qui était à la tête. C'est n'autre que Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, le rachat, qui est appelé Roche. Et Achashverosh, et lui, était né sous le même signe, d'après les Midrashim, c'était la planète Mars, donc ce qui les poussait à verser du sang. Et pour terminer aujourd'hui, donc simplement rappeler que l'une des raisons pour laquelle les Juifs de cette génération méritaient de tomber au pouvoir d'un roi aussi cruel, d'après nos sources, c'est parce qu'ils profanaient le Shabbat. Et qu'est-ce qu'on entend par profaner le Shabbat? C'est qu'ils n'étaient pas assez vigilants quant à l'heure de la fermeture pour leur magasin le vendredi soir, comme c'est écrit d'ailleurs dans le livre de Néhémia au chapitre 13, les versets 15 à 22, qui nous donnent les détails de cette faute qui a entraîné malheureusement donc les décrets. Donc l'une des raisons pour lesquelles ce décret est, on va dire, est au pouvoir d'un roi aussi dur, aussi cruel, c'est le non-respect du Shabbat. Voilà pour aujourd'hui, la suite à demain, Be'ezrat Hashem.